Les Sussex seront de retour au Royaume-Uni septembre prochain. Il se pourrait que le prince Harry et Meghan Markle séjournent tout près des Cambridge. On se demande si les Cambridge et les Sussex se rendront visite pour une réunion de réconciliation. Harry et Meghan ont été au Royaume-Uni en juin pour la célébration du jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans. Les Sussex seront de retour au Royaume-Uni dès le 5 septembre 2022. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle se rendront à Manchester pour assister au sommet One Young World. Meghan Markle, 40 ans, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture, indique Mail Online. Après Manchester, le duc et la duchesse de Sussex se rendront à Düsseldorf, en Allemagne, le 6 septembre. Notons que la ville allemande accueillera les Invictus Games l'année prochaine. Le 8 septembre 2022, les parents de Archie, 3 ans, et de Lily Bediana, 1 an, seront de retour au Royaume-Uni. Le prince Harry, duc de Sussex, prononcera un discours à l'occasion des Well Child Awards à Londres. De nombreux médias britanniques ont également publié que le prince William et Kate Middleton, tous les deux 40 ans, déménageront bientôt à Adelaide Cottage cet été. Certains ont d'ailleurs souhaité que le duc et la duchesse de Cambridge le fassent et que les Sussex se logent dans leur maison de Frogmore Cottage. Les deux couples se retrouveront à 5 minutes de marche l'un de l'autre, précise Mail Online. Est-ce pour autant que Harry et Meghan rendront visite à Kate et William? Kate et William, pas de fleurs en guise d'offrande de paix lors du retour de Harry et Meghan. Le dernier tête-à-tête entre William et Harry remonte à l'époque où ils ont dévoilé une statue à l'effigie de la princesse Diana, leur mère. Malgré tout, il ne serait pas prévu que les deux frères et leur couple respectif se rapprochent pour une réunion de réconciliation. Ingrid Sword, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré au Sun : « Je ne pense pas qu'ils se croiseraient, à moins que cela ne soit organisé à l'avance », indique le Mail Online. Elle rappelle également ce qui s'est passé la dernière fois. Ingrid Sword fait référence à cette fois où Meghan Markle, duchesse de Sussex, aurait jeté à la poubelle les fleurs offertes par Kate après leur dispute à cause d'une histoire de robe de demoiselle d'honneur avant le mariage de Harry et Meghan en 2018.